Salaamu si nous trouvons une prophétie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam dans les livres sacrés des nations précédentes, alors cela est une preuve de sa véracité. Et cette preuve implique aussi la responsabilité de tout le monde. Comment une prophétie de la venue d'un prophète peut-elle être donnée dans les livres saints d'une autre nation avant même qu'il ne vienne si ces prophéties sont accomplies, alors c'est la preuve que la prophétie est véridique à son origine. Le concept de prophétie est un concept véridique et logique, parce que ce que les prophètes annoncent se produit exactement. De nombreux versets du noble Coran valident la pertinence de cette argumentation. Cette argumentation par les prophéties dans les livres saints précédents, comme preuve de la véracité de la prophétie de Mohammed, c'est une argumentation mentalement logique. Le noble Coran confirme la validité de cette argumentation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Donc, si tu es en doute de ce que nous t'avons révélé, alors demande à ceux qui lisent le livre avant toi. Surat Yunus, verset 94. Donc, demande au peuple du livre et tu trouveras chez eux l'information de ta prophétie. Allah, tout puissant, dit aussi, et ceux qui ont mécru disent, Tu n'es pas un messager. Dis, Allah suffit comme témoin entre moi et vous, et quiconque a connaissance des Écritures. Chapitre Rad, -ra verset 43. Donc, celui qui connaît les Écritures sait parfaitement que tu es un prophète. Au contraire, il n'a aucun doute de cela, On raison des nombreuses prophéties de sa venue. Ceux à qui nous avons donné l'écriture le connaissent comme ils connaissent leur propre fils. Mais en effet, un parti d'entre eux cache la vérité alors qu'ils la connaissent. Surat al-Baqarah, verset 146. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit dans ce qu'ils ont dans la Torah et l'évangile. Surat al-A'raf, 157. Ainsi, utiliser les prophéties comme preuve de la véracité de l'islam, est une méthodologie très importante. Nous l'avons toujours négligée et ne lui avons pas donné son droit jusqu'à maintenant. Ce sujet des prophéties est pertinent et convaincant pour tout le monde. Et c'est un signe pour quiconque veut s'assurer de la véracité de la prophétie de Mohamed. Allah subhanahu wa a dit « Et ne serait-ce pas un signe pour eux qu'ils soient reconnus par les savants des fils d'Israël 197 Donc, la connaissance des érudits des fils d'israël sur mohammed est la preuve et le signe qu'il est un prophète par contre ici une question peut se poser à nous les musulmans qui voulons utiliser des prophéties de la bible pour notre argumentation quelqu'un pourrait dire ne dites-vous pas qu'il y a des modifications qui se sont produites dans la torah et dans l'évangile alors comment pouvez-vous utiliser les textes de prophétie qu'ils contiennent et la réponse très cher frère et que la modification ne s'est pas produite dans toute la Torah ou dans tout l'évangile, mais dans certaines parties. Ainsi, le noble Coran a demandé au peuple du livre de se référer à leur livre à plus d'une occasion. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Dites, apportez donc la Torah et récitez-la si vous êtes véridiques. » Surat al-Imran Il a aussi dit « Et que le peuple de l'évangile juge par ce que Allah y a révélé. » Sourate Al-Ma'ida, verset 47. Le prophète alayhi wa sallam, a demandé aux gens de la Torah de se référer à leur Torah dans l'incident de l'adultère. Il leur a dit Quelle punition trouve-t-on dans la Torah pour une personne mariée qui a commis l'adultère En effet, le prophète alayhi wa sallam, a permis aussi la narration des fils d'Israël. Il a dit Narrez des fils d'Israël, il n'y a rien de mal à cela. Donc, il y a beaucoup de vérité dans les écritures des gens du livre juifs et chrétiens. Le noble Coran a prouvé la validité de l'utilisation de la prophétie qu'on preuve. Et le sujet de prophétie est justement présent dans leur livre. Les textes de prophétie de la venue du prophète alayhi wa sallam, sont toujours présents dans leur livre jusqu'à présent. Par exemple, ce texte est mentionné dans le Deutéronome, qui est le cinquième livre de la Torah. Le, le Seigneur, seigneur m'a dit donc Allah Tout-Puissant qui parle à Moïse, Qu'est-ce qu'il lui dit Il lui dit, Il lui dit Je, susciterai Je susciterai pour eux un prophète comme, prophète comme, toi, comme toi, toi du milieu de leurs frères. Deutéronome 18, 18. Donc, un prophète comme Moïse salam, viendra parmi les frères des fils d'Israël. Qui sont les frères des fils d'Israël Les frères des fils d'Israël sont les fils d'Ismaël. Ismaël est le frère d'Ishaq. Isaac et Israël est le fils d'Isaac. Ainsi, les fils d'Ismaël sont frères pour les fils d'Israël. Cela, bien sûr, est incontestable. Même la Torah dit au sujet d'Ismaël et il habitera en face de tous ses frères. Genèse 16, 12. Ainsi, un prophète viendra des frères des fils d'Israël, des descendants d'Ismaël. Et cette prophétie n'a aucun rapport avec le Messie Jésus. Parce que le Messie n'est pas venu d'entre les frères des fils d'Israël, mais il est l'un d'eux. Le Messie est un des fils d'Israël, de la descendance de Judas, fils d'Israël. Le seul prophète qui est venu parmi les frères des fils d'Israël est le prophète Mohammed. Sallallahu wa Et si cette prophétie n'était pas au sujet de Mohammed, sallallahu wa sallam, alors cette prophétie dans le Deutéronome n'a pas été accompli jusqu'à maintenant. Et si, Et cette, si prophétie cette prophétie n'était pas, pas, pas au sujet du sujet. prophète Mohammed, alayhi wa sallam, alors, alors cette, prophétie cette prophétie dans le Deutéronome de n'a pas, pas été accomplie, accomplie accompli jusqu'à jusqu maintenant. maintenant. Revenons au texte encore une fois. Le Seigneur dit à Moïse, Je susciterai, Je susciterai pour, eux pour eux un prophète, un prophète comme, comme, toi, comme toi, toi, du milieu du de, de leurs frères, frère. comme toi, d'entre les frères des fils d'Israël. La question maintenant est, qui est comme Moïse le prophète Mohammed ou le Messie Jésus alayhi salam Celui qui est comme Moïse et Mohammed. Mohammed et Moïse alayhi wa sallam, ont tous deux apporté une nouvelle législation. Tous deux ont deux apporté, ont apporté, une, apporté nouvelle une nouvelle législation. Alors que le Messie alayhi salam, n'a pas apporté une nouvelle charia, une nouvelle législation. Au contraire, il refusait complètement d'être vu comme s'il apportait une nouvelle. Dans la mesure où il refusait de partager même l'héritage. Il a dit dans la question de partager ce dernier oh « Ô homme, qui est-ce qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Luc 12, 14 Même la division de l'héritage, il a refusé de s'en charger. Ainsi, Moïse alayhi salam, et Mohamed ont apporté une nouvelle législation. Aussi, tous deux luttaient contre les infidèles et les idolâtres. Alors que Isa, le Messie, lui, a été envoyé aux enfants d'Israël, qui est un peuple croyant. Moïse et Mohammed, sont nés naturellement, se sont mariés, ont eu des enfants et sont morts naturellement. Alors que le Messie, est né d'une mère et sans père, donc d'une manière miraculeuse. Il est né sans père pour être le dernier avertissement aux enfants d'Israël. salem ne s'est pas marié et a été élevé au paradis. Ainsi, le Messie, alayhi n'était pas comme Moïse. Une des preuves de la similitude entre Moïse, alayhi salam, et Muhammad, sallallahu est que Moïse a été mentionné de nombreuses fois dans le du Coran. Cette similitude se reflète au travers de leur biographie et des situations auxquelles ils ont été tous les deux confrontés. L'histoire de Moïse, alayhi salam, est mentionnée pour alerter, avertir, exhorter et donner une leçon. Le prophète Allahissalam disait quand il traversait les mêmes situations que Moïse Alayhisalam traversait qu'Allah accorde sa miséricorde à Moïse car il a été éprouvé avec plus que cela et il patientait. Tout comme Moïse alayhi salam, a été combattu, Muhammad salam, a été combattu. Tout comme Moïse a été expulsé de sa terre, Muhammad alayhi salam, a été expulsé. Tout comme Moïse a lutté, Muhammad alayhi salam, a lutté. Tout comme Moïse salam, a triomphé, Muhammad sallallahu alayhi wa a triomphé. En effet, en effet, nous vous avons nous envoyé, envoyé un messager, un messager comme messager. témoin sur vous, tout sur vous, comme vous nous avons envoyé un messager à Pharaon. À Pharaon chapitre Al-Muzammil, 15 Ainsi, le prophète qui est comme Moïse, alayhi et parmi les frères des enfants d'Israël, n'est autre que Mohammed sallallahu alayhi wa La Bible admet qu'aucun prophète n'a été élevé des enfants d'Israël comme Moïse, alayhi il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Deutéronome 34.10 Maintenant, complétons le texte en Deutéronome. Le texte dit, « Je mettrai mes mots dans sa bouche. » Donc, les paroles d'Allah Tout-Puissant seront dans la bouche de ce prophète. « Il leur dira tout ce que je lui commande. »« Je mettrai mes mots dans sa bouche. » Les paroles d'Allah wa seront directement dans la bouche du prophète. C'est parce qu'il est illettré, ne sait ni lire ni écrire. Les paroles d'Allah seront donc dans sa bouche, pas dans des tablettes ou dans un livre qui descend directement du ciel. Les paroles d'Allah seront prononcées directement par ce prophète. Maintenant, contemplez la manière avec laquelle le Coran a été révélé. Dis

Mais ici, une question peut se poser. Comment pouvons-nous distinguer entre le vrai prophète et le faux prophète Ah Le texte du Deutéronome répond à cette question. Revenons au texte, et nous verrons deux différences claires pour distinguer entre le vrai et le faux prophète. Le texte dit Mais le prophète qui prétend dire une parole en mon nom, que je ne lui ai pas commandé de parler. Hum, que va-t-il lui arriver Ce prophète mourra Deutéronome 18,20 celui qui invente un mensonge sur Allah et dit ce qu'Allah ne lui a pas révélé, il mourra. Donc, le faux prophète périt avant d'avoir terminé le message. D'ailleurs, c'est la même distinction coranique entre le vrai et le faux prophète. Le noble Coran dit la même chose. Allah subhanahu wa a dit Et s'il avait inventé de nous de fausses, de fausses paroles. paroles, nous l'aurions saisi par, la par la droite. Alors, Alors nous lui aurions, nous aurions coupé, coupé la, horte. la horte. Surat al Verset 44 à 46. La sourate al-Haqqa, qui est une sourate méquoise, déclare que le faux prophète périt avant qu'il ne termine le message. Étonnamment, le prophète sallallahu alayhi wa n'est pas mort avant que le message ait été terminé. Il n'est pas mort jusqu'à ce que Allah tout puissant lui révèle. Aujourd'hui, j'ai perfectionné pour vous votre religion et accompli ma faveur sur vous. Et a approuvé pour vous l'islam comme religion. al verset 3. Allah vous a approuvé l'islam comme religion. Le message fut achevé, la charia fut achevée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne mourut que quelques jours après que ce verset eut été révélé. Donc, c'est là la différence entre le vrai et le faux prophète. Le message du vrai prophète sera accompli. Il y a aussi une seconde différence entre le vrai et le faux prophète, mentionnée dans le même texte dans le Deutéronome. Peut-être Peut diras-tu diras dans ton cœur. Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite Donc, comment distinguer le vrai prophète du faux prophète Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Il a dit une prédiction ou une prophétie, mais cette prophétie n'a pas été réalisée. C'est par audace que le prophète l'aura dit n'ayez pas peur de lui. Donc, un faux prophète. N'ayez pas peur, peur, de, peur lui. de lui. Deutéronome 18, 21-22 La troisième distinction entre le vrai et le faux prophète est très facile. Celui qui dit que je suis un prophète et prédit des choses, mais plus tard elles ne se produisent pas. Donc, évidemment, c'est un faux prophète. Et maintenant pour l'amour d'Allah. Est-ce qu'une personne peut-elle compter les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit et qui ont été accomplies comme il l'avait prédit y a-t-il même un prophète, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, qui a prédit ce nombre de prophéties que le prophète alayhi wa sallam, a prédites et qui se sont accomplies plus tard comme il l'avait dit Plutôt, je dirais que si nous faisons la somme de toutes les prophéties que le Messie alayhi salam, a dit, les prophéties que Moïse a prédit et les prophéties que tous les prophètes de l'Ancien Testament ont prédit, La somme de ces prophéties serait inférieure au nombre de prophéties que le prophète Mohammed a prédit. Et ils ont été accomplis comme il l'avait prédit. Par exemple, Allah a dit à son prophète qu'il le fera revenir à la Mecque après qu'il en soit sorti pour migrer vers Médine. Donc, il retournera une nouvelle fois à la Mecque. Allah a dit Celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement là où tu souhaites retourner. Lieu de retour signifie la ville, sa provenance, telle qu'il la quitte et y retourne. Et ceci a été accompli tout comme le noble Coran l'avait dit. Et le prophète alayhi wasallam, est retourné à nouveau à la Mecque après huit ans. Le noble Coran dit que le prophète et ses compagnons entreraient dans la mosquée sacrée avec leurs cheveux rasés ou coupés courts, après qu'ils aient été interdits d'entrer dans la mosquée sacrée. Surat al fath Verset 27. Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité. Vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah veut. En toute, sécurité, en toute sécurité, ayant rasé vos, vos têtes ou coupé, ou coupé vos cheveux, sans, sans aucune crainte. crainte. Ils savaient il donc, savait donc ce, que ce que vous ne saviez, ne pas. saviez pas. Et cela s'accomplit comme Allah subhanahu wa ta'ala l'avait dit. Allah Tout-Puissant a également dit qu'après être entré dans la mosquée sacrée, il y aura une conquête. Il a placé, il a placé en, deçà en deçà de ça, cela une victoire, cela, une victoire proche. proche. Et la conquête de Khaybar a eu lieu après l'entrée de la mosquée sacrée. Allah Tout-Puissant a dit qu'il enrichirait Quraysh. Allah vous enrichira de sa générosité. Surat verset 28. Et ceci a été accompli. Allah a dit que Abu Lahab mourrait comme un incrédule. Et il a été accompli. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Bien qu'Abu Lahab soit resté en vie pendant 11 ans après la révélation de cette surat, il ne s'est pas converti à l'islam. Le Noble Coran dit aussi que Al-Walid ibn al-Mourira, le père de Khalid ibn al-Walid, mourait incrédule. Je le conduirai à Saqar, le feu intense. Surat al-Muddathir, 26. Et il a été accompli. Qu'est-ce qui a empêché Al-Walid de se convertir à l'islam comme Khalid l'a fait Surtout, depuis qu'il a été touché par le Noble Coran, sa conversion à l'islam était possible à tout moment. Mais le Coran prédit une prophétie selon laquelle il ne se convertirait pas à l'islam. La prophétie a été réalisée comme le noble Coran dit. En outre, le noble Coran a déclaré que Al-Walid al-Muraira avait eu de nombreux enfants et en voulait plus. Mais non, il n'aura pas plus d'enfants. Et ceci a été accompli. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul et à qui j'ai donné des biens étendus et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie. « Pour qui aussi j'ai aplani, aplani toute difficulté, toute difficulté. Cependant, cependant il convate de moi de que de je lui donne davantage. »« Pas, Pas du tout, car, car, car il reniait de nos de versets, versets le, Coran, le Coran, avec entêtement. » Le Coran annonçait aussi que les Romains vaincraient les Perses d'ici quelques années. Cela semblait impossible à ce moment-là, compte tenu du déséquilibre entre les deux nations en termes de force armée. Notre Seigneur Tout-Puissant a dit « Les Romains ont, ont été vaincus, été vaincus, dans, vaincus dans, le dans le pays le plus, le plus proche. proche. » Mais après leur défaite, ils vaincront dans quelques années. À Allah appartient le commandement au début et à la fin. Et ce jour-là, les croyants se réjouiront de la victoire d'Allah. Il donne la victoire à qui il veut et il est le puissant, le miséricordieux. La promesse d'Allah, Allah ne manque pas à sa promesse, mais la plupart des gens ne savent pas. Surat Ar-Rum La promesse d'Allah, Allah ne manque pas à sa promesse. Mais la, Mais la plupart des, des, gens, des gens ne, savent, ne pas. savent pas. Une promesse d'Allah Tout-Puissant que les Romains triompheraient sur les Perses, et ceci a été accompli. Le noble Coran a prédit que les Juifs ne seraient pas en mesure de dire ⁇ Nous souhaitons la mort ⁇ parce qu'ils savaient que s'ils disaient ce mot devant le prophète, ils mourraient instantanément. ⁇ Dit ⁇ Ô vous qui pratiquez, vous pratiquez le judaïsme, le judaïsme. Si vous prétendez être les bien-aimés d'Allah, à l'exclusion des autres, souhaitez donc la mort, si vous êtes véridique. Or, ils ne la souhaiteront jamais, à cause de ce que leurs mains ont préparé. Allah, cependant, connaît bien les injustes. Ainsi, les Juifs n'ont pas osé souhaiter la mort, malgré leur grand désir de renier le prophète. Wa Quand le prophète les a défiés, il n'a pas dit que c'était de moi. Il a plutôt dit que cela venait de mon Seigneur et de votre Seigneur. Mon Dieu et votre Dieu. Ce niveau de défi n'a pas été montré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf avec la certitude qu'il est soutenu par Allah subhanahu wa ta'ala. Certains chercheurs disent, les athées ont été perplexes. Pourquoi les juifs n'ont-ils pas souhaité la mort au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour prouver sa fausseté et mettre fin à cet argument? D'innombrables prophéties ont été racontées par le noble Coran et elles se sont produites exactement comme il l'a dit. Par exemple, le prophète a prédit le meurtre d'Umayyah ibn Khalaf dans un hadith Al-Bukhari et plus tard, Umayyah ibn Khalaf a été tué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prédit dans un hadith dans Muslim que Umm Haram bint han serait parmi les premiers martyrs dans les conquérants de la Mer et cela s'est produit comme le prophète alayhi wa sallam l'avait prédit. Le prophète alayhi wa sallam a prédit aussi dans un hadith dans Al-Bukhari que Allah ferait la réconciliation entre deux groupes énormes de musulmans à travers Al-Hassan ibn Ali. Et cela s'est produit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait prédit. C'est l'année où Allah subhanahu wa ta'ala a fait la réconciliation entre les musulmans à travers Al-Hassan ibn al Ali et cette année a été nommée l'année de la réconciliation. Imaginez si Al-Hassan serait mort enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi prédit dans un hadith dans le Bukhari que Ammar serait tué par le groupe transgresseur et cela s'est produit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait prédit. Le prophète aussi a prédit que Omar, Osman Ali, Talha et Zubair ne mourraient pas dans leur lit comme les gens meurent normalement. Tous sont morts en tant que martyrs. Le prophète alayhi wa sallam, a aussi prédit la lettre de Hatib ibn Balta'a dans un hadith dans le Boukhari et les compagnons ont vu exactement ce que le prophète alayhi wa sallam, leur avait dit. Le prophète alayhi wa sallam, a aussi prédit le meurtre des trois dirigeants dans la bataille de Mu'tah. Le prophète avait aussi prédit le meurtre de Kisra, l'empereur perse, et même le jour où il a été tué. Il avait aussi prédit la mort de Négus, al-Najashi, et le jour de sa mort. Et avait même réalisé la prière de l'janazah, la prière funèbre, sur lui. Il a prédit de nombreux événements qui se sont produits par la suite. Tous ces hadiths sont au plus haut degré d'authenticité. Des centaines de prophéties dont nous n'avons mentionné qu'une partie les prophéties que le prophète avait prédites sont toujours en cours d'accomplissement jusqu'à aujourd'hui. Ainsi le vrai prophète prédit des choses qui se produisent plus tard tandis que le faux prophète prédit des choses qui ne se produisent pas plus tard. Plutôt, Allah l'abandonne. Revenons à la Torah. En particulier au Deutéronome. Après quelques chapitres de cette prophétie, qui prédit l'arrivée d'un prophète comme Moïse, Parmi les frères des enfants d'Israël, quelques chapitres plus tard du Deutéronome, on nous parle de la descente du message dans Pharaon. Qu'est-ce que Pharaon Pharaon est l'endroit où Ismaël a habité. Il dit L'Éternel est venu du Sinaï il s'est élevé sur eux de Séir, il a resplendi de la montagne de Pharaon et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. 21, 50. Le Seigneur est venu du Sinaï. La Sharia, la législation qui a été révélée à Moïse dans le mont Sinaï. Il resplendit du mont Faran. Le mont Faran est l'endroit où Ismaël a habité. Le message serait révélé à l'un de ses descendants. La Torah confirme que l'endroit où Ismaël habitait est Faran. Lisons le chapitre 21 de la Genèse. Dieu a, Dieu entendu, a entendu le garçon, le garçon, garçon. Le garçon qui est Ismaël, et l'ange de et Dieu, Dieu appela de du ciel Agar, Agar, qui est Hajar, et lui dit Qu'as-tu, Agar, Agar Ne crains, le point, le crains point, car Dieu a Dieu entendu, a entendu a la voix de l'enfant le dans le lieu où il, où il où est. Lève-toi, le prends l'enfant, saisis-le de, saisis -le de ta, ta main, de car je ferai de lui une grande nation. C'est une prophétie qu'Ismaël serait une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et il vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Soyons attentifs. Elle a vu un puits d'eau. Alors elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire au garçon. Ensuite, Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint un tireur d'arc. Ismaël. A grandi en tant qu'archer, tireur d'arc. Et si on regarde dans le hadith du prophète, alayhi wa sallam, dans Al-Bukhari, numéro 3507, quand il a dit Ô oh enfant d'Ismaël, lancez des arches, comme votre père était un archer. Subhanallah. Retournons à la Genèse. Il habita dans le désert de Faran. Ismaël habita dans le désert de Faran. Et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Genèse 21, 17-21. Ismaël a habité dans le désert de Faran. Une grande lumière viendra de Faran, des descendants d'Ismaël, comme il est venu du Sinaï aux mains de Moïse. D'ailleurs, ce même texte qui parle de la lumière dans le Sinaï et la lumière dans l'endroit où le prophète serait envoyé est également présent dans le noble Coran. Subhanallah. Allah a dit. Par la, par la figue et l'olive, par le par mont le Sinaï, Sinaï et par cette par ville sûre qui est la Mecque, Allah Tout-Puissant a juré par le message qui est venu dans le Sinaï, le mont Sinaï, et par le message qui a été révélé dans la ville sécurisée qui est la Mecque. Le peuple du livre sait bien qu'une lumière nouvelle viendra du désert de Faran. Cette prophétie est reprise dans les livres de la Torah. Par exemple, lisons dans le livre de Habakkuk, chapitre 3. Dieu vint de Téman, et le Saint vint du Mont Faran. C'est là, sa majesté couvrait les cieux, et la terre fut remplie de sa louange. La terre fut remplie de sa louange. C'est un signe des louanges et du son d'Adan, qui est l'appel à la prière, qui s'élèverait avec la venue de ce prophète. Son éclat est comme la lumière. Décrire la prophétie comme lumière est une description coranique. Des rayons partent de sa main. Des rayons de la charia là, là réside, là sa, réside force. sa force devant lui, devant lui marche la marche peste et la peste, la peste est peste. sur et ses traces c'est exactement ce qui s'est passé quand le prophète sallallahu wasallam, est entré dans médine la fièvre est apparue devant lui et la peste a disparu hadith dans al-bukhari numéro 1889 le prophète qui remplirait le monde de louanges dans le prochain épisode inshallah nous discuterons d'une question très importante sur les attributs de ce prophète qui viendrait des descendants d'Ismaël et comment le son de la Dan serait entendu dans les montagnes de la Mecque et de Médine, selon le texte de la Torah. C'est ce que nous serons dans le prochain épisode, inshallah. Alors, suivez ce cours. Je vous prie de le répandre. Qu'Allah vous bénisse afin que quiconque cherche la vérité en tire profit. Wassalamu wa wa